Eh bien, bonjour à tous, c'est X5.5 du FR Games Community. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu comment je fais mes vidéos, à l'aide de quel logiciel, et je vais vous présenter un peu mon matériel hors du PC. Donc, on sera dans ma chambre. Donc, pour filmer ainsi qu'enregistrer ma voix, pour les jeux, j'utilise Fraps. Pour tout ce qui est Minecraft, Urban Terror, tout ça, c'est Fraps. Mais malheureusement, mon premier gameplay sur Urban Terror, j'ai pu le faire parce que je laguais pas, ça tournait bien. Mais je sais pas ce qui lui est arrivé. Mais Fraps, je l'ai reconfiguré. Et je buguais. Donc j'aurais dû laisser mes configurations d'avant. Mais je sais plus ce que j'avais mis, donc faudra que je les retrouve. Et que je vous propose un gameplay Urban Terror. Donc pour les jeux, c'est Fraps. Par exemple, mes tutoriels, ça va être Camtasia Recorder, qui est un très bon logiciel. Il filme de très bonne qualité, c'est ça que j'aime chez lui. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on peut faire des montages avec. C'est un peu comme Sony Vegas Pro 11, bien sûr, en moins performant. Mais on peut tout de même faire des montages avec des effets et tout. Et pour les tutoriels, j'utilise aussi des fois Cam Studio. Mais au fait, ces deux logiciels-là, Camtasia et CamStudio, je les utilise pour mes tutoriels, c'est logique parce que Fraps c'est plus fait pour les jeux. Ces deux-là, celui-là je l'utilise, Camtasia je l'utilise souvent quand je dois faire une région fixe. Donc qu'est-ce qu'une région fixe? Une région fixe c'est quand je filme une partie de l'écran. Et CamStudio je l'utilise souvent... Enfin non, c'est l'inverse. Camtasia, j'utilise quand je fais un plein écran parce qu'il fait une très bonne qualité d'image. Et CamStudio, je le fais quand c'est une région fixe. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc voilà, et donc ce sont ces trois logiciels que j'utilise. Maintenant, je vais vous présenter un peu mon PC. Donc mon PC est un HP Pavilion DV6. Donc cet ordinateur tourne très bien, il a 4 Go de RAM comme vous pouvez le voir ici. Un très bon processeur, franchement il tourne nickel pour les jeux, c'est un super PC, très performant. C'est celui, l'édition juste avant, celui du HP Pavilion DV7. Donc voilà, notebook et tout, c'est un HP, logique, avec Windows 7 édition familiale premium. Donc ça tourne super bien pour les jeux, sauf quand je filme, avec Fraps par exemple. Donc, je vous ai présenté un peu tout, comment je fais mes montages. À l'intérieur du PC. Et maintenant, je vais vous présenter mon matériel. Enfin, il me permet pas de... Le matériel extérieur au PC, c'est pas du tout pour filmer, mais c'est genre mon casque et tout. Enfin, vous verrez. Donc, je vais... On va se rediriger vers ma webcam. Donc, maintenant. Donc, pour commencer, je vais vous présenter ma souris, donc sur cette petite table. Donc, c'est une souris Logitech. Donc, à mon avis, vous n'allez pas très bien le voir, vu qu'il y a beaucoup de lumière. Donc, c'est une Logitech. Le signe, c'est... Enfin, on s'en fout un peu, mais c'est un œil avec en dessous écrit Logitech. Donc, ce qui me plaît, c'est chez cette souris, excusez-moi, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. Donc tout d'abord, elle est sensible et elle ne lag pas. C'est ça que j'aime beaucoup chez les souris, la sensibilité. Au moins, il y a moins de lag. Donc deux boutons, clic droit, clic gauche et roulette, comme sur pratiquement toutes les souris. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous voyez, on a une... Donc c'est une fiche USB, vu que c'est pour les ordi portables. Et on a un long câble d'à peu près... Je sais pas, je vais pas dire de bêtises, 50 cm à peu près. Donc voilà, c'est ça qui est assez pratique, on peut le mettre assez loin. Et hop, je retire, le fil se remet direct. Et hop, ce qui est bien ici, c'est que vous voyez, il y a un aimant. Et hop, la matière de la fiche USB est attirée sur l'aimant. Là, on a le capteur ici. Donc voilà, voilà, c'est tout pour la souris Logitech. C'est une très très bonne souris que j'utilise pour jouer au jeu. Hop. Donc on va passer pour finir d'ailleurs à mon casque audio. Donc mon casque audio, même si c'est pas, enfin si c'est une marque connue, mais même si c'est pas un Beats Audio, une très très bonne marque,
Ça me suffit, il a un super bon son et je me contente de ça, ça me plaît. Donc je le mets pratiquement tout le temps. Ce qui nous permet, on entend mieux les sons et tout, quand je joue on entend mieux les bruits de pas et tout ça. Donc c'est un Sony, vous le voyez ici. Là, hop. Donc là, je sais pas si vous voyez, en tout cas il est écrit que c'est un Sony. Donc c'est un Sony Dynamic Stereo Headphone MDR V300. Donc voilà, il est là. Donc c'est un très très bon casque. Moi j'adore, personnellement. Et l'avantage, comme le désavantage, c'est qu'il y a un très très bon câble. Donc un très très long câble, excusez-moi. Si je me trompe pas, il doit faire un peu moins de 2 mètres peut-être. Enfin, donc le désavantage, c'est que dès qu'on est près du PC, ben c'est un peu trop long. Et l'avantage, c'est que quand on est loin, eh ben, on peut quand même écouter. Et le dernier truc sur mon casque audio, il y a une fiche plaquée or que vous pouvez voir comme ça. Bah d'ailleurs, cette fiche-là aussi est plaquée or. Voilà. Non, c'est pas de la vraie or, hein. C'est plaqué or. Et c'est un plus gros embout aussi ici. Donc cet embout permet de le mettre sur les amplis de guitare par exemple, c'est un plus gros embout. Donc suffit de le rentrer dedans et on le visse. Et voilà, on a notre embout d'ampli accroché au fil. Et donc voilà, ça nous permet de le mettre sur des amplis, etc. Donc c'est tout pour ma présentation de mon matériel. Donc voilà, je me suis remis sur le PC. Donc je vous ai déjà tout présenté, un peu tout ce qui me sert sur mon PC. Donc voilà, mon Skype, mes jeux, Urban, Minecraft, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur mon bureau. Donc vous voyez là, c'est la barre Mac que j'ai installée dans mon tuto. Et donc bah voilà, je crois que ça va être tout. J'ai un peu tout, bah c'est bon, tout est fait. Je vous ai tout présenté, donc le but de cette vidéo, ben, c'est pour vous montrer un peu comment le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Et ben, pour ceux qui ne savent pas, par exemple, filmer les jeux, ben voilà, je vous le dis, c'est Fraps. Donc il y a la version payante, la version gratuite, mais qui est limitée à 30 secondes. Et la version que j'ai eue, que j'ai fait. Donc c'est une version craquée, donc c'est la version complète, mais gratuite. Donc faut regarder des tutoriels, comment craquer Fraps. Donc je sais pas, si des abonnés me le demandent, j'en ferai un. Donc voilà, donc c'était X5.5 pour sa présentation de matériel. Et donc on peut se dire au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Attendez encore un peu et il y aura les résultats du concours. Allez, salut à tous !